L'objectif de la visite, c'est pour accompagner le président El Hadj Arsène Barry dans le cadre de sa tournée. Vous savez, il vient d'être confirmé comme étant le nouveau président intérimaire de la coordination nationale de football Fula de Gounée. Dans ce sens, il a décidé que c'était nécessaire de passer dans tout le Fouta, il a fait tout le Fouta, pour saluer les gens et remercier les populations à la base. Maintenant, c'est au tour de la basse côte d'être visité et remercié. On a fait Fria, Boké, Kamsar, Sangaredi. Aujourd'hui, nous sommes à Kindia. Après, ça sera Dibreka. Et ça sera après le tour de la Haute-Guinée et de la forêt. Le but, en fait, c'est d'expliquer la nouvelle vision de cette nouvelle coordination. Et cette nouvelle vision, comme il a su bien dit, il a souvent dit, il s'agit premièrement de faire un tout pour avoir un rassemblement, pour pouvoir fédérer toutes les coordinations nationales de Guinée, de manière en sorte que quand une personne venant de ces coordinations-là, quand l'un des contigus de ces coordinations-là parle, qu'il parle au nom des quatre coordinations. Ça donne une voix nationale, ça réduit les tensions entre les ethnies. Ça, c'est le premier objectif. C'est-à-dire qu'il faut fédérer les gens, il faut rassembler les gens. Ensuite, il faut expliquer aux gens que la nouvelle coordination nationale de football Fula de Gounée, ce n'est pas juste une coordination qui va être axée sur le social. Il y a aussi le développement communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va initier le développement des infrastructures. Il y aura des ponts, des écoles. Certainement des mosquées, malgré qu'il y a déjà suffisamment de mosquées un peu partout à travers le pays. Donc en fait, c'est ça le but de la visite, c'est ça la tournée. Au niveau de la ville de Kindia, c'est un accueil extraordinaire, c'est très chaleureux, c'est un accueil aussi de qualité. On a vu beaucoup de ça, ça compte. Il n'y a pas que de jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de charges. C'est très respectueux, c'est très chaleureux, c'est trop sympa. On ne peut que remercier la coordination régionale de Kindia pour l'accueil. Et puis, il faut aussi mentionner la bouffe. Vous avez vu ce qu'on a donné à manger. Les gens ont bouffé très bien. Et puis, il faut remercier aussi les femmes qui se sont donné la peine pour préparer tout ça et mettre tout cela à la disposition de la délégation du président El Hadj Arsène Barry d'Alaba.